Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de parcourir la distance en glissant. Alors la distance c'est 250 mètres, vous allez devoir parcourir 250 mètres en glissant. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement d'aller sur une colline. Vous allez sur une colline, ensuite vous courez, vous vous accroupissez et vous maintenez votre touche d'accroupi pour glisser. Normalement, vous faites une grosse pression sur la touche accroupir, s'accroupir, pour glisser sur plusieurs mètres. Donc regardez, comme je suis dans une grosse pente, ben, je vais glisser sur plusieurs mètres. Donc je vais essayer de glisser sur toute la montagne. Après, je vous montrerai une autre astuce si vous voulez. Donc là, regardez, en bas, il y a 125 mètres du sol. Donc hop, je glisse. J'ai appuyé une seule fois, donc moi c'est paramétré, j'appuie une seule fois quand je cours sur le bouton s'abaisser et regardez, je glisse. Là, j'ai plus qu'à contrôler, j'ai plus besoin de maintenir le joystick de droite, j'avais juste à contrôler. Donc là, j'ai fait déjà 122 mètres sur une seule glissade. Après, si vous n'avez pas de montagne autour de vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement des rampes comme ceci. Donc, vous créez un maximum de rampes pour une grosse hauteur et on va voir... combien de mètres, peut-être c'est même plus rentable de créer des rampes comme ceci. Vous réaliserez le défi encore plus rapidement, je pense, parce que la pente va être vraiment très très raide. Donc on va voir, je vais m'arrêter ici. Hop, regardez un peu, il y a 136 mètres jusqu'en bas. Donc là, je cours, il faut vraiment maintenir pendant quelques secondes quand même. Donc parce que là, j'ai simplement appuyé sur le bouton s'accroupir, mais il s'est juste accroupi. Donc là, ce que je fais, c'est que je cours, je maintiens au moins pendant une seconde. Ensuite, je peux lâcher le joystick. Et là, ben, je glisse sur les 250 mètres pour terminer le défi. Donc voilà, c'est rien de très compliqué. Mais voilà pour les petites astuces. Soit une montagne, soit une rampe. Vous faites ce que vous voulez. Et quand vous aurez glissé sur 250 mètres au total, ben, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace.